Bon, là je suis arrivé sur le spot et en fait je suis venu il y a 2-3 jours et j'ai perdu un leurre qui s'est accroché sur une roche là qu'on voit juste ici et j'ai pas pu récupérer parce qu'il y avait pas mal de vagues. Donc là comme c'est calme, je vais me faire une petite mission, sauter un genre sur la roche, récupérer le leurre et puis ressortir. On voit bien, il est juste là. On va attendre que la mer soit bien calme. Ça bouge, hein. De récupérer le max de tresse et tout. Ok, bon, retour sur le spot. Allez, maintenant on pêche. Je vais mettre un popper et après je mettrai le rapa là que j'ai récupéré là. J'ai envie de mettre un gros popper. Les gars, réveillez-vous, ok? Oh yes, I. Woo. Jolie camade. Yes.
amas d'environ 3 kg. Allez, 3-4 kg. Sympa comme combat, c'était cool. Depuis le temps, tous les poissons que j'ai ratés, vous imaginez pas. En fait, j'en ai raté tellement, ils se sont décrochés ou quoi. Donc, je suis super content. Et elle va retourner à la maison pour un joli barbecue, je pense. Youhou! Ça, tac, bois de manguier, ensuite citronnelle. Là, c'est pour faire partir le feu. Ok. Bon, là, c'est la préparation du barbecue. La carangue qui a baigné dans son assaisonnement de la nuit. Thank you.
ne m'attendais pas à ce choix-là. Pourquoi il a la bouche ouverte? C'est pas la bouche.